Guillaume Bas est mort dans la nuit de jeudi 1er à vendredi 2 juin 2023. L'humoriste de 36 ans a été retrouvé, sans vie, par un ami proche. La nouvelle est terrible. À peine âgé de 36 ans, l'humoriste Guillaume Bas est mort dans la nuit de jeudi 1er à vendredi 2 juin 2023. CEST, sa boîte de production, Dark Smile Productions, qui a annoncé son décès en partageant un communiqué sur Facebook. Le comédien était atteint de la maladie des os de verre, une affection d'origine génétique due à un défaut des fibres de collagène notamment au niveau des os. Pour autant, la cause officielle de sa disparition est, pour l'heure, inconnue. Guillaume Bas a eu le droit à de nombreux hommages. Il était notamment très proche de Jérémy Ferrari, qui a refusé de s'étendre sur sa peine, mais a accepté d'en dire davantage sur les derniers instants de son ami. Depuis hier soir, j'ai reçu des milliers de messages de soutien et quelques vannes plus ou moins drôles, écrit-il sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à me demander ce qu'il s'est passé. Guillaume devait donner une conférence hier à 19h30, il ne s'est pas présenté et ne répondait pas à nos appels. Je me suis rendu chez lui et je l'ai trouvé décédé dans son lit, probablement dans son sommeil, mais cela reste à confirmer par les médecins. Tout laisse à penser qu'une autopsie répondra aux questionnements des Français. Et aux interrogations de ses proches. Guillaume Bas était une figure montante de l'humour, notamment grâce à ses sketchs, partagés en ligne, puis à ses interventions sur scène et à la télévision. Il comptait un nombre impressionnant de camarades parmi ses consoeurs et ses confrères. Qui n'ont, aujourd'hui, pas le cœur à rire. Je ne souhaite pas m'exprimer sur ma peine dans les médias ou dans la presse malgré les nombreuses demandes qui m'ont été faites, poursuit Jérémy Ferrari. Guillaume était mon petit frère et j'aimerais qu'on se concentre sur lui, son talent, son courage, sa force, sa lumière. Toutes mes pensées à ceux qu'il aimait autant que moi.